imagine. Les djinns de Mchalona Loban. Ils dorment, on dirait un cadavre. Ah ah. On a passé. Il faut que j'aille là où on mange bien, là où on dort bien, là où on oublie tous les soucis, là où il y a des belles nanas, des belles aventures et des belles plages. Pense à ton pays. Hein? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je réfléchissais, ma chérie. Tu réfléchissais, tu dormais comme un cadavre. Non, je dormais pas. J'ai le mouda tu fais pièce. Non, là, là-bas. Je dormais pas, ma chérie, je réfléchissais. Tu réfléchissais alors que tu es en train de ronfler. Nabiron, c'est qui ça? Dis-moi, c'est qui lui là? Mais il est moche celui-là, c'est qui? Imbécile, mais c'est toi! Tu vois pas? C'est moi ça? Oui, c'est toi. T'es vraiment bête, toi. Qu'est-ce que tu m'as mis là? Pendant que tu dormais, je t'ai mis de la poudre sans même que tu t'en aperçoives. Lini Gao, hein? Lève-toi vite, je viens de voir les informations là. Il y a la grève, il n'y aura plus de boutiques qui seront ouvertes. Il faut qu'on aille faire des courses, sinon on n'aura plus de jury. Dépêche-toi. Mais dis-moi, toi tu me parles de la grève. Qu'est-ce que la grève a à voir avec jury? S'il y a la grève, les magasins ne sont pas ouverts. Et si les magasins ne sont pas ouverts, on n'aura pas du riz à la maison pour manger. Mais il n'y a pas de problème, on va manger du manioc, du banane, du bread, de tout ça. Mais si toi tu peux manger du manioc et des bananes et des bread tous les jours, moi je ne pourrais pas. Maintenant lève-toi, va te laver vite, on va à la boutique. Mais pourquoi tu m'as mis ça à toi? Mais dépêche-toi, arrête de poser des questions. Solange! Oui madame. On dirait que tu es sûre que tu n'as pas entendu là. Il y a quelqu'un qui sonne à la porte. C'est le taxi qui a fait du retard. C'est pas le taxi qui est en retard, mais c'est toi. Avec moi, ça marche pas comme ça. Les 5 minutes de retard que tu as fait là, tu vas les rattraper. Et ce mois-ci, je vais déduire ton salaire. Madame, je ne suis pas une machine. Je ne peux pas tout faire en même temps. Tu n'es pas une machine, mais tu es une boniche. Et tu dois faire tout ce que je te demande et tu fermes ta gueule. Madame, j'avais une grande maison comme vous. Il y a des gens qui travaillaient pour moi aussi. Mais par la surprise de la vie que je me trouve là, que Dieu vous remercie vous aussi. Donnez-moi ma part et je m'en vais. Tiens, et ne me fuis jamais les pieds chez moi. Dès demain, tu seras remplacé. Va te prostituer, comme ça tu auras beaucoup d'argent. De toute façon, tu es la reine des putes. Tu crois que je connais pas ton petit secret? Tu couches avec tous les étrangers qui viennent ici juste pour t'enrichir. Moi, je me respecte. Je ferai jamais ça. Imbécile, je vais te massacrer, toi. Il faut que j'aille là où on mange bien, là où on dort bien, là où on oublie tous les soucis. Raïssa, malgré les larmes qu'on a versées, j'ai toujours su qu'on arriverait à nos fins. Je fais le vœu de t'aimer, de te respecter en devenant ton mari. Chaque jour de ma vie, tu seras ma femme. Mon amour, mon âme sœur Raïssa, je t'aime et je t'aimerai toujours. Assalamu alaikum.
qu'ils font les larmes. Je dis que c'est des tarés. Là où il y a des belles nanas, des belles aventures et des belles plages.